Bonjour, c'est un élève. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai créé cette chaîne YouTube pour aider les élèves qui sont en classe d'examen. Alors, puisque à chaque fois, il y a les vidéos que j'aime bien, mais au niveau des commentaires, il y a les élèves qui disent qu'ils ont des problèmes sur les équations différentielles. Donc, l'objectif de ce cours aujourd'hui, c'est de vous montrer comment traiter un exercice sur les équations différentielles. Et j'ai pris comme exemple le bac 2000, le bac 2009. Alors ça, c'était une preuve du bac 2009. Alors, ma première question, on demande de résoudre l'équation différentielle E. Donc, y de second, plus 2y plus y tiré à la zéro. Alors ça, c'est une équation différentielle. Donc, c'est une équation différentielle du second ordre. Pourquoi second ordre? Parce qu'il y a la dérivée seconde. Et quoi? Sans second ordre. Pourquoi? Parce que le second ordre est égal à zéro. Donc, c'est une équation différentielle du second ordre sans second ordre. Et dans le cours, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, c'est quoi une équation différentielle du second ordre sans second ordre? Faites un rappel. Alors, ici, nous avons soit 2.a y second plus b y plus c y égal à 0. Donc, c'est ça qu'on appelle une équation différentielle du second ordre sans second ordre. Alors, comment résoudre une équation différentielle? Il faut d'abord chercher ce qu'on appelle son équation caractéristique. Alors, soit a m carré plus bm plus c égale à 0 sont les équations caractéristiques. Donc, son équation caractéristique. Son équation caractéristique. Alors, donc, soit a m carré plus b plus c égale à 0 sont les équations caractéristiques. Maintenant, nous avons trois cas qu'on peut avoir dans une telle résolution. Il y a trois cas qu'on peut avoir. Alors, premièrement, ici on va calculer delta. Donc, on va calculer d'abord delta. Donc, delta c'est b au carré moins 4ac. Alors, si on calcule delta, on trouve delta est positif. Tout le monde sait que c'est delta est positif. Alors, l'équation admet 2ac. Donc, l'équation admet 2 racines. Alors, cette équation va avoir 2 racines. Ces 2 racines sont m1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. R2 qui est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Dans ce cas, les solutions de cette équation différentielle s'écrivent sous la forme y égale à exponentielle de m1 plus b exponentielle de m2. Donc c'est ça la solution de l'équation différentielle. Donc c'est ça la solution de l'équation différentielle. Donc si on a une équation différentielle du second ordre sans son ordre, si on demande de la résoudre, il faut d'abord chercher son équation caractéristique. Et son équation caractéristique, donc c'est quoi? A égale b plus c égale à 0. Et vous calculez delta. Donc il y a le premier cas, le cas où delta est positif, l'équation a plus de racines. Donc maintenant c'est moins b. Alors c'est comme les équations du second ordre, les racines du second ordre. La même chose. Donc, M2 c'est moins B, moins racine de delta sur 2A. Et M2 c'est moins B, plus racine de delta sur 2A. Dans ce cas, les solutions de cette équation différentielle, Y égale à A exponentielle de M2 plus B exponentielle de M2 ici. Maintenant, si delta égale à 0, alors l'équation admet une racine double. Donc, l'équation admet une racine double. Donc, ici, on a une racine double. X0 qui est égal à, donc je prends R0 qui est égal à moins B sur 2A. Et dans ce cas, les solutions de cette équation différentielle, Y c'est quoi? AX plus B exponentielle de R0, R0X. Donc c'est ça, les solutions de cette équation différentielle. Donc AX plus B exponentielle de R0, R0X. Et en fait, si delta est négatif, alors on aura deux solutions complexes conjuguées. Donc l'équation admet deux racines complexes. Donc ces deux racines là sont des racines complexes. Deux racines complexes. Et en même temps sont des conjugués. Deux racines complexes conjuguées. Alors, donc j'ai parlé de l'élément qui est à alpha plus i bêta t, m2 qui est à alpha moyen. Y bêta,
on a dit que c'est deux noms complexes qui sont conjugués. Alors dans ce cas, est-ce que je ne sais pas ajouter dans cette pièce, c'est quoi? Est-ce qu'on a cette alpha x, facteur de A, cosinus de bêta, x plus b, sinus de bêta, bêta x. Donc c'est ça, la solution des équations de classe. Alors, nous avons 3 cas simples. Donc, 3 cas. Le cas où bêta est positif, alors il est égal à A exponentielle de l'ordre x plus b exponentielle de x. Le cas où bêta est égal à 0, donc on aura A plus b exponentielle de x. Et enfin, le cas où delta est négatif, où on aura deux équations de l'ordre complexe. Donc, il est égal à exponentielle de alpha x, facteur A cos de x plus b sur x. Et ça, c'est juste là. Maintenant, revenons à notre exercice, donc la solution de cet exercice. Alors, revenons à notre exercice. Nous avons une équation différentielle en premier marque. On demande une équation différentielle, y second plus, 2 y plus, y égale à. Égale à ça. Et qu'est-ce qu'on avait dit? C'est cette équation. Alors, qu'est-ce qu'on a cherché là-bas? C'est une équation caractéristique. Donc, c'est l'équation caractéristique qu'on va décrire. Alors, soit R carré plus. 2 plus 1 égale à 0. Donc, soit l'équation caractéristique. Donc, l'équation caractéristique de E. Donc, l'équation caractéristique de E. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On calcule delta, comme on l'a dit. On va calculer delta. Par rapport au delta, delta c'est 2 au carré moins 4 à 5. Alors, B c'est 2, ça fait 4 moins 4. Donc, delta égale à 0. Alors, on aura une solution pour l'exemple qui est égal à moins b sur 2 a. Donc, l'exemple c'est moins b sur 2 a. Alors, l'exemple est égal à moins b. B c'est 2. Moins b c'est moins 2. Sur 2 par a c'est 1. C'est moins 1. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Si nous avons l'exemple qui est égal à moins b sur 2 a, si on a une solution pour nous, alors, la solution de cette équation différentielle c'est ax plus b. Exponentielle de L0x, c'est ce qu'on avait dit, mais on remplace L0 par sa valeur qui est égale à AX plus B, exponentielle, puisque L0 c'est moins 1, c'est moins X. Alors c'est ça, la solution de l'équation différentielle pour la première question. Donc c'était ça pour la première question. Et en deuxième question, on nous demande quoi? Soit l'équation commune. Alors Y selon, plus 2 y plus Y égale à X plus 1. Et on va déterminer les RAB telle que la fonction H définie par H de X à A est soit sur le champ de l'équation E. Identification.
A est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons A. Et là nous avons 1. Donc A égale à 1. Et maintenant la constante 2 a plus B. Les deux est égal à 3. Et là nous avons 2 a plus B égale à 3. Et puisqu'on vient de déterminer A égale à 1, je remplace A constante 2, c'est 2 fois 1 plus B égale à 3. Alors 2 fois 1, c'est 2. 2 plus B égale à 3. Et B égale à quoi? 3 moins. Moins 2 plus B égale à 1. Et dans ce cas, HD, c'est une règle de A, c'est 1 qu'on a donné, et B, c'est 1 sur B, x plus, plus 1. Donc, c'est que ça, pour déterminer la valeur de HD, c'est que la règle plus 1. Et après, on demande en troisième question de montrer que si j'ai une solution de commune, si et seulement si j'ai un moyen, je vais avoir une solution de E. Alors, on demande que j'ai une solution de commune, si et seulement si j'ai un moyen, solution de E, solution de E. Demandons que G, et c'est en troisième question, on demande, demandons que G, solution de E, G, solution de E, on a dit G, solution de E, plus si et seulement si G est la solution de E, alors solution de E, plus si et seulement si G est la solution, solution. Solution de E. J'ai solution de E. Donc, nous demandons que j'ai une solution de E. Alors, quoi est l'équation de E? Donc, l'équation de E, c'était ça. Donc, puisqu'on me demande de démontrer que j'ai une solution de E, si c'est seulement si j'ai une solution de E, alors je parle de j'ai solution de E. Alors, nous avons j'ai solution de E. Si c'est seulement si on remplace ici E, on aura Z second plus 2 G plus G est égal à X plus 3. Maintenant encore H, on savait que H second plus 2 H plus H est égal à quoi? X plus 3. Ça, on avait dit, on savait déjà. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que H était une solution. Donc H second 2 H plus H, c'est rien de X plus 3. Donc je vais remplacer X plus 3 par H second plus 2 H plus H. Alors l'équation devient Z second plus 2G plus G n'est rien d'autre que A second plus 2H plus H. Et on transpose tout, on aura Z second plus 2G plus G moins H second moins 2H moins H égale à 0. Et là, je regroupe les termes, on aura Z second moins A second plus 2G moins 2H plus G moins H égale à 0. Et là, nous avons G moins H de tout second plus. On va utiliser par 2 G moins H plus G moins H égale à 0. Conclusion. Donc, G moins H est solution 2. Donc, G moins H est solution 2. Donc, c'est ce qu'on va dire. Si c'est parti, G moins H est solution 2. Et là, le solution de E, c'était le pas changé en ce moment, c'était ça, E. Alors, on vient de remplacer Y sur le G par H et on obtient le résultat qu'on a demandé. Donc, G moins H, c'est le solution de E. Alors, on peut aussi partir de G moins H. Souvent, il y a des traits qui ne le font pas, mais normalement, si on demande de montrer une égalité, alors il faut montrer les deux. Alors, comme G est solution de E, G moins H va être solution de E. Donc, je suis parti de G, solution de E. Et j'ai montré que G moins H, solution de E. Alors je vais faire la même chose, je vais commencer par j'ai la solution de E et montrer que j'ai la solution de E. Alors j'ai la solution de E. Si et seulement si, on remplace si E, on va remplacer E par j'ai la solution de E. J'ai la solution de E, très bien, plus de facteur de j'ai la solution de E, plus j'ai la solution de E. Égal à 0. Et là, on a G second moins H second plus 2G plus moins 2H plus G moins H égal à 0. Et nous avons G second plus 2G plus G égal à 0 en transposant H second plus 2H plus H. Or, on
ça va être H seconde plus 2 H plus H, les deux qui utilisent 3, parce que H est solution. Alors on aura Z seconde plus 2G plus G, les deux X plus 3, donc G moins H est solution. 2 l'équation. Donc G est la solution 2. Solution 2. Et on demande de résoudre alors E. Donc on demande de résoudre alors E. E plus. Alors là, pour la résolution de plus. Alors, ici, pour résoudre le plus, c'est juste qu'on peut pas avoir le même demander de déduire. Alors, le fait de dire que 2 est égal à 2, ça nous permet de déterminer la valeur de l'équation.
Maintenant, f prime de 0 est égal à moins 1. Alors, donc, f prime de 0 n'est rien d'autre que moins 1. C'est ce qu'on doit dire. Alors là, on va chercher la f prime de x. Donc, f prime de x là, ax plus b, e2, moins x. Alors, f prime de x d'abord, je cherche l'expression de f prime de x d'abord. Alors, non, on cherche la dérivée. Ax plus b, exponentielle. La dérivée de la ax, c'est a, exponentielle de moins x. Et la dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Donc, la ax plus b, c'est la forme. Ça, c'est la forme une fois b. Donc, dérivée une fois b, c'est plus b plus b. Alors, f prime, maintenant, de 0, c'est ce qu'on a dit. On a dit f prime de 0, on aura a, exponentielle de 0, moins. Est-ce que le 0 va de A multiplié par 0 plus B? Alors, F plus 0, A exponentielle de 0. Est-ce que le 0 c'est 1? Voilà, c'est A. Est-ce que le 0 c'est 1? A fois 0 est égal à 0. Il va rester B, c'est le point B. Donc, c'est ça F plus de 0. Donc, F plus de 0 c'est A moins B. Et c'est F plus de 0 qui est A moins B, il est lié à l'autre moyen, moins 0. Alors, on va voir A moins B est égal à moins 0. Donc, que vaut A? Moins 0 plus. Plus B et A égale moins 1. Plus B, B, on vient de chercher ces deux. Donc c'est plus 2. Alors on aura A égale combien? A égale 1. Et là, c'est la fonction f de x qu'on vient de chercher. Résolution. A exponentielle. On a dit A égale 1, on va passer à la base x. Et B par 2, exponentielle de moins x. Alors c'était ça. Les questions qui ont été posées. Alors les équations de Laplace ne sont pas des choses qui sont ici. Donc reprenez l'exercice, vous pouvez télécharger l'exercice, reprenez l'exercice, ce n'est pas difficile. Les exercices ne sont pas difficiles, c'est juste qu'il faut maîtriser la leçon. En équation différentielle, nous avons deux équations différentielles. Une équation différentielle du premier ordre sans son moment, et une équation différentielle du premier ordre avec son moment. Et l'équation différentielle du second ordre avec son moment, et l'équation différentielle du second ordre sans son moment. Et si vous avez une équation différentielle qui se retrouve dans son domaine, il faut toujours chercher son équation à rester ici. Et avec seulement ces trois cas-là, le premier cas, le delta va être positif, et le deuxième, le delta va être négatif, le delta est égal à 0. Alors, nous avons seulement ces trois cas, dans une équation différentielle qui se retrouve sans son domaine, on vous demande de sur l'équation différentielle, chercher d'abord son équation à rester ici. Après avoir cherché l'équation à rester ici, il y a seulement trois cas qui sont possibles. Le cas où le delta est positif. Si delta est positif, tu auras deux racines, x permanent de 2. Alors, les solutions c'est a exponentielle de x plus b exponentielle de x. Et si delta est égal à 0, on aura une solution double r0. C'est ce qu'on a ici dans cet exercice. Donc, c'est a x plus b exponentielle de x. Et en fait, si delta est négatif, on aura deux solutions qui sont complexes conjuguées. Alors, r égale exponentielle, l'équation de la solution c'est y égale exponentielle alpha x facteur a cosinus de beta x plus b sinus de beta, beta x. Alors, merci de suivre. N'oublie pas de vous abonner. On va préparer.